Bonjour tout le monde, ici Pikapofkissé pour l'épisode de Pokémon Épée, et nous avons fini le dernier épisode, enfin les deux derniers épisodes, on a fini l'histoire, et si je me rappelle bien, je faisais le Pokédex, right? Oui, je faisais le Venor, son évolution, puis je me suis aperçu que je pouvais capturer son évolution facilement, à quelque part. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va aller chercher son évolution. Que, j'ai pas envie de le faire évoluer parce que ça c'est des Pokémon qui. L'affaire d'amitié, ça peut être long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Blacie. C'est ça, Blacie, Chansey? Happiny. Blacie. En anglais. On va aller voir ça. Fascinant. D'avoir une zone à quelque part pour ça. Donc, on va dans la première zone. Donc, on a trouvé notre Chansey. Donc, où est-ce qu'on est? Dans l'extérieur. Et puis, on met ça à 10, 15, 20. Si on fait juste. Ok. Parfait. 10, 15, 20. Ok. On sort du jeu. On change ça pour. La console. Non. Oui. Date et heure. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste plus ce que j'avais dit. 10, 15, 20? 10, 15, 20? Me semble. Ben, l'année n'a pas rapport. L'année n'a aucun rapport. Mais non, ça peut pas. T'as pas de 15. What the fudge? C'est quoi la joke là? On va regarder deuxième fois la vidéo parce que j'ai pas pris connaissance de vraiment de ce que je faisais. 10, 15. Parce qu'en anglais, le jour est av le mois est avait le mois est avant. Fait que c'est 10, 15. Et 2024. On sort. Ça devrait être Boomer. Ce qui est le cas. Ouais, faut trouver un. Je sais pas c'est quoi son nom en. Je sais pas c'est quoi son nom en anglais. Wow! Ok, non, ça c'est mon Pokémon. Ok, j'ai eu pas. C'est mon propre Pokémon qui me suit. Il est là! Il est ici! Je l'ai décidé de le capturer. Un Lufaulx! Un furry! Je ne vais pas rien faire de ce spirit. Un. 2, 3, presque.
1, 2, 3, clic. Oh, deuxième essai. Nice. On a attrapé un l'euphorie. J'ai tout bib qui est sur moi. Pokémon bonheur. Lorsqu'il croise type normal, lorsqu'il croise un Pokémon affaibli, il partage son œuf avec ce dernier et lui prodigue des soins jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Non, je veux pas envoyer dans une boîte PC. Ok, good. Le prochain Pokémon. J'ose croire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ok, je retourne ici. Je vais remettre le temps à ce qui se pose d'être. Ça, j'aimerais ça depuis avoir de trucs parental. Non. Ok. Good. Ok. Voyons voir le Pokédex. Next. Qu'est-ce qu'on a? Lui, je peux pas l'avoir pour l'instant, right? C'est ça. Lui, je peux pas l'avoir pour l'instant. Ça va être dans la deuxième expansion. Rongridou. Ok, c'est. Donc, c'est un. Iglybuff. Qu'il me faut, un bébé d'Iglybuff. Est-ce qu'il y a des Iglybuff sauvages? Ou est-ce que je dois prendre mon Wigglytuff, faire un bébé avec Ditto et tout simplement attendre qu'il éclore? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? Iglybuff, right? Pokémon. P. J'ose croire qu'il faut juste que je fasse un bébé, là. Non, c'est ça, faut que je fasse un bébé. J'ai pas d'autre choix. Bon, ben, on va. Je sais pas pourquoi je suis sorti de mon poste là. Fait qu'on va prendre mon Jigglypuff. Et puis, on va aller faire une petite visite. De toute façon. J'ai plus besoin de toi. Je pourrais le relâcher. J'ai pas besoin. Oui. There you go. Ok, parfait. Il m'a donné un Porygon. C'est vrai, j'ai pas regardé. J'ai un crapaud en plus. Ok, parfait. On sait où on va. On retourne, on s'en va.
Garderie Pokémon. Et on va donner. Boboule. Et Mondito, est-ce qu'il y a Mondito? Juste que je me téléporte puis je reviens là. Alors, je prends ce coin là, je reviens. Puis après ça, ben. Je reviens. Cette tonne de. Arrivé à 51, quelque chose. Ok. Je veux un œuf. Beaucoup d'endurance, let's go. Là j'ai mon Pokémon, on va te promener. J'ai deux expansions. Ouais. L'autre expansion est où? Ah, faut que j'aille dans le métro, c'est vrai. Ok, bon, je me rappelle. Je m'en rappelle. Mais on va pas faire la deuxième expansion tout de suite. On va tout faire le Pokédex de la première expansion avant de procéder à de nouveaux horizons et de nouveaux Pokémon. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Peut-être trouver des branches, des affaires de même. Mon smoking. Pomme juteuse. Je vois rien de suspect là. Je vois pas comme. De Pokémon. Hein? Déjà, il est clos. Sinon, ça prend pas de temps. Dans mon temps, là, ça pourrait prendre une heure. Non. Oh mon dieu, qu'il est pas beau. Moi, j'ai jamais aimé sa première évolution. Ça ressemble à un Digimon, je trouve. Un tout doudou vient de sortir de l'œuf. Pokémon Bouboule, normal fée. Il adore chanter, son corps semblable à de la guimauve dégage une légère odeur sucrée. Non, pas besoin. Il est sûrement avec moi.
Il est sur moi. Ok, prochain Pokémon. Mimantis. Évolue en Floramantis. On va prendre notre Mimantis. Et on va le faire évoluer. Mais bien sûr, c'est un petit coquin veut se battre. Vas-y, fou. Petit aïeul, fou. Mimantis. Je sais que c'est dégueulasse, mais on va le relâcher, il va vivre sa vie sauvage tout seul comme un bébé. Où est Mimantis? Si. Mimantis. J'ai l'impression que c'est un Pokémon qui évolue. Peut-être avec une pierre herbe? Je vais être honnête, j'ai aucune idée. Plante? Non. Okay, peut-être que c'est juste de l'XP normal. Je vais lui donner un super bonbon. Non. Ouais. Il faut juste une... Il faut... faut que ce soit une femelle peut-être? Ben, c'est une femelle. Attends, là, j'ai perdu quelque chose. Faut tout le temps que je... Faut faire tout le temps que je regarde vraiment qu'est-ce que ça prend pour faire évoluer les Pokémon. Parce que là... Un Mimantis. Comment tu évolues, mon cher? Comment tu évolues? Par amitié? Si c'est le cas, je vais te foutre là, puis je vais aller capturer un adulte. Mais t'as night là. Niveau 34, la journée. Fudge. Fudge, fudge, fudge. C'est pas la journée. Ah! Fascinant. Ok, je vais aller devoir capturer un adulte. Parce que fuck that, là, je vais pas attendre qu'il fasse jour demain pour aller faire ça. Lui, j'ai trouvé dans la... Dans la forêt. On est connu, je sais que t'en as dans la forêt. Est-ce que ça veut dire que. Il fait nuit. Je pourrais pas les voir. À moins que je peux. Je peux-tu modifier l'heure? Date et heure.
Ok, là il est 1h28 du matin. On va mettre 10h28. Il fait jour! Ouais! Ok. Là, j'ai gaspillé un Pokébonbon. Je m'en veux. Est-ce que je prends un XL? Est-ce que c'est assez un XL? Bon, parfait, il évolue. Quoi? Mantis évolue? Eh ben oui! Dis qu'elle dépend. Mantis évolue en Floramantis. Ça m'étonne toujours que ce Pokémon-là n'est pas un type insecte. Pokémon Fauche-Fleur, Plante. Un magnifique Pokémon qui ressemble à une fleur. Les Floramantis bien entraînés arborent une couleur très vive. J'aurais mis ça insecte, Plante. Mantis va prendre Lame solaire. Pourquoi pas? On peut enlever synthèse. Tempête florale. Déclenche une violente tempête de fleurs qui inflige des dégâts à tous les Pokémon alentour. C'est en fait, nous pouvons remettre le temps comme il était. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Même fun, on peut faire ça. Ok. Next. Passe rouge. Qui évolue en Brésillon. Et Brésillon évolue en quelque chose d'autre. On va rentrer des Pokémon qu'on connaît un petit peu plus. C'est sûr que je fais ça comme il faut, là. Donc ça me dit... Vous devez pendant une lune pleine lui faire manger de la salsa. C'était pas ça qu'il évolue, je sais pas. Il évolue niveau 17, puis après ça niveau 35. Il faut que je le fasse évoluer deux fois. Énorme, mais okay. Je peux essayer de me battre contre quelque chose. Un Jigglypuff, un rond doudou. Ceux qui ne savent pas mon nom et qui n'ont pas fixé, ça veut dire Pikachu mélangé avec Jigglypuff. Ça veut pas dire un Pikachu qui filme la marijuana. Il y a beaucoup de monde qui pense ça, là. Mais non, parce que j'adore pas. Jigglypuff, c'est mon Pokémon préféré. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi c'est mon Pokémon préféré. Je sais juste que je le trouve nice. Je sais pas si quand j'étais jeune,
Son personnage dans l'émission était, je le trouvais cool. Genre, il était tant fâché quand que tout le monde s'endormait sur ses chansons. Il prenait son crayon puis il mettait des moustaches à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Mais je l'adore. C'est adorable. Mignon. Ok, il a fait un level up. Let's go! Évolue! C'est rouge, évolue! C'est rouge, évolue en brésillon. Pokémon Braze, feu, vol. Il lance des étincelles dans le terrier de ses proies pour les effrayer. Dès qu'elles en émergent, il les attaque à coups de serre. C'est un vrai rapace. Nictrocharge. Lui, je pense, c'est par exemple que j'avais l'oiseau de base que j'avais dans Scarlet. C'est pas-tu? J'ai le flamant rose. Quand je vais retourner à Scarlet, ça va être rouge écarlate. Pokémon écarlate et Pokémon. Quoi l'autre? Pokémon écarlate et. Violet. C'est un porte-clés. Est-ce que je devrais avoir peur de ça? Bon, je vais me mettre en ligne pour le principe. Il est méconnaissable! Attendez, je vais juste voir quand est-ce que j'ai commencé mon épisode, parce que je veux faire des épisodes alentour de 1 heure. Mais j'ai pas regardé quand est-ce que je l'ai faite. Là, ça fait à peu près 30 minutes. Parfait. Perfecto! Ok, let's go. On va faire ça. Combat à plusieurs. Ok, je vais changer de background. Si c'est un... fait quelque chose. Je trouve aussi bien de prendre. Non, c'est pas un fée, c'est un métal. Ben, c'est un métal fée. Qu'est-ce qui est bon avec le métal fée? Je vais prendre mon chien, je pense. Poppy. L'homme 5, close combat, tête de fer. Je pense qu'il va faire ça. Bonne job. Yes, sir, let's go! Tout le monde, on y va! Je pensais pas qu'il y avait 4 personnes arrivées soudainement. Fait que là, oui, on joue à Pokémon Épée, bien parce que je veux finir des jeux. Pokémon. Paper Mario, je vais continuer quand on va finir Luigi Mansion. Et parce que Zelda, le nouveau Zelda en septembre, on va jouer seulement quand que Paper Mario va être fini. Il m'en reste pas gros, là. Luigi Mansion m'en reste pas gros, je suis pas mal sûr. Puis Paper Mario m'en reste. Il faut faire Close Combat. C'est pas super efficace. Un petit shield de 5. C'est un porte-clés. Je
qui a eu l'idée de faire un porte-clés Pokémon? Y'a-tu du monde qui l'aime, le Pokémon? Y'a-tu du monde qui l'aime dans sa team et disait ouais. Moi là. Trousselin là. Ça se peut, regarde, je juge pas, vous pouvez aimer cette Pokémon là. Moi c'est pas mon style là. J'ai comme l'impression qu'il manque. Qu'il manque d'idées, vous autres. Ben, je dis non, vous êtes correct. C'est pas un manque d'idées en fait, c'est. Mais je vois pas. Celui qui était dans Aloha. C'est quoi cette affaire-là? What the fuck is that? C'est un Pokémon ça? What the. Quoi? C'est quoi cette affaire? Je connais pas ce Pokémon. Ça ressemble à rien. Aloha peut-être? Les méga chimères, whatever, je sais pas comment t'appelles ça. Je suis confus. Ce combat, je suis très confus. Je comprends pas ce qui se passe. Attends, on se. L'adius maximum. Okay. Je pense que le porte-clés est apparu dans Aloha, mais je ne comprends pas le pourquoi qui est dans Aloha. Quand le thème était. Trois quarts des Pokémon, c'est des Pokémon qui habitent dans des îles tropicales, hawaïennes, tu sais. Cette affaire-là. Il a sa place dans un autre jeu, peut-être. De toute façon. Ça me donne des super bonbons, c'est quand même nice. Tu sais, c'est quand même nice. Bon, qu'est-ce que j'utilise? Bon, tant que. Il évolue. Ma foi, oui. C'est vrai, j'évolue en Flambusard. Flambusard, Pokémon fournaise, type feu, vol. Flambusard chasse surtout les Pokémon oiseaux. Il intimide ses adversaires en produisant des étincelles avec son plumage. Pas de nouvelle attaque. Ok. Ça, c'est pour Flambusard. On a combien de Pokémon en fou? En fou. 169 capturés sur 179. Il y en a 10 que j'ai pas capturés. De ceux que j'ai vus. Donc, le prochain, c'est Lixi. Que nous allons faire évoluer. Et je crois qu'il n'a aucune évolution. Non, il y en a deux. C'est un chat, ça, ouais. Un chat électrique.
Où est-ce? Où est ce petit chenap? J'en ai capturé un. Je suis pas mal certain de ça, mais... Je sais pas où il est. C'est un tout petit Pokémon. Comment j'ai fait pour te capturer puis pas l'avoir? Je l'ai-tu échangé pour quelque chose? C'est quoi que j'ai fait? Je comprends pas ça là, là. À moins que... C'était... Je sais pas. Je crois qu'il y a des Pokémon ici, là. Bon, mais les amis, on va aller le capturer, right? C'est la seule foutue façon je vois de faire ça, là. Pas besoin d'un bébé non plus. Bon, ben j'en ai pas, fait qu'on va aller le capturer. Ok, Lixit est où? Lixit est sur le bord ici. Ou là. Ok, on voit Lixit. C'est pas Lixit ça. C'est un Pokémon qui va être à l'extérieur ou dans le gazon. Beaucoup de maniamètre.
Il y a juste des maudits bestioles dans la main. Je vais me promener ici. Peut-être qu'il se promène à l'extérieur du gazon. C'est bien peut-être. Je suis pas 100% certain, mais. Là, c'est pas très. Pas très fructueux. J'ai un lapin. Deux lapins. Trois lapins. Moi, ça me dit dans ce coin-là. Peut-être qu'ils sont dans un autre coin aussi. Présentement, je suis là. Quand il pleut ou qu'il y a l'électricité. Ok. J'avais plus de chances de les avoir là présentement. Là. Ok, ouais, j'ai pas regardé le climat. Ça, c'est quoi cette place-là? C'est la montagne? Donc là, on va aller en montagne. Pendant qu'il pleut. Tanda! Ouf, ouf. Ouf, ouf. What? C'est quoi ça? T'es quoi toi? Oh, c'est ça. Ok, on va savoir ça. On s'en va ici non plus. J'ai l'impression qu'il est dans le gazon. Pas toi, je veux pas t'avoir. Ah, il est là! Un lixi sauvage apparaît, let's go! Un, deux, un, deux, trois, clic. Non, il n'y a pas oublié. I'm paralyzed, non. Clic, let's go. Let's go. On a tapé l'ixi. J'ai un abri.
Oui, on va l'appeler Sphinx. Parce que c'est un sphinx. On peut l'appeler Sphinxie. C'est plus beau. Sphinxie. Bye à bras. Si je l'ai jamais capturé avant, on n'a jamais vu son Pokédex. Pokémon Flash, type électrique. Il produit de l'électricité en contractant ses muscles. S'il tremble d'excitation, c'est le signe qu'il est en train de générer une grande quantité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je pense pas que ce soit une pierre électrique, right? Non. On va lui donner un bonbon large. On va juste enlever la paralysie. Et on va le soigner. Puis on va se battre contre des Pokémon sauvages. Let's go. Un nodulite. Peut-être que ça vient mieux si je mets pas le canton de Pokémon en bas. C'est pas Pokémon parfait contre moi. Ben c'est pour lui là. Il est faible au combat puis il est faible au à l'eau. Puis ça. Désolé Lexi. Je m'intimide Lexi. De logiquement devrait évoluer. Sa première phase. Ah, Luxio! Pokémon étincelle, type électrique. En reliant sa queue à celle de ses congénères, il peut recevoir leur énergie électrique et lancer des décharges encore plus puissantes. Là, est-ce que c'est le même principe? Je vais regarder si une pierre foule l'a fait évoluer. Non. Donc j'ai l'impression que c'est encore un peu d'expérience qui va le faire évoluer. On continue à se battre. Bien joué. Le 4, petit affaire. Y a-tu 4 petits spots de même en bas de sa tête? J'ai pas remarqué. Okay, je sors du site, là, je vais me battre dans quelque chose qui a de l'allure. Hein. Comme toi, là. Paraît puissant. Oh, oh. Un bagaille.
dans le coin. Le chemin devrait réévoluer. Yes! Évolue en... en Luxray. Luxray, Pokémon Brilleuil électrique. Sa capacité à voir à travers la matière lui permet de repérer en un instant des proies cachées derrière un mur épais. Tout ça, c'est quelque chose que je ne savais pas qu'il pouvait faire. Grâce au Pokédex. On en connaît plus sur chaque Pokémon. Donc notre prochain Pokémon à faire évoluer... Alakazam, je l'ai. That's weird. Comment ça, j'ai... Kadabra. Pokémon psychique. Ce pouvoir psychique lui permet de l'éviter en dormant. Tu sais, ça a l'air sa queue très souple comme un oreiller. Ça me semble que j'ai déjà lu ça. Alakazam, Pokémon psychique, doué d'une intelligence hors du commun, ce Pokémon serait capable de conserver tous ses souvenirs de sa naissance jusqu'à sa mort. Ok. Tentacool! Let's go, Tentacool! On va juste aller un petit peu soigner les Pokémon un peu. Parce que mon Kung Fu a de la misère. Tentacool, cependant, je ne suis pas sûr si c'est juste par monter mon Pokémon ou si c'est en fait une pierre haut. J'ai aucune idée. Je vais aller voir. Parce que j'ai pas envie d'utiliser mon bonbon XPL si c'est juste pour ça. On va l'utiliser parce que ça n'a pas l'air d'être ça. Tentacool évolue. Ça, c'est un peu loin que je capotais quand j'étais jeune, je le trouvais tellement nice. Ça, vous vous rappelez l'épisode du tentacruel gigantesque qui sortait de l'eau? Là? Pokémon mollusque, type eau, poison. Moi, je pensais, quand j'étais jeune, je pensais que c'était une pieuvre. Mais c'est une méduse. Il faut faire attention lorsque les globes rouges de sa tête se mettent à briller intensément, car c'est ce qu'il s'apprête à émettre. Car c'est qu'il s'apprête à émettre des ultrasons. Comme très nice. Exelong. C'est vrai qu'il y a une évolution maintenant, right? Et si je me rappelle bien, là je l'ai même pas équipé. Je l'ai même pas mis dans ma team. Il faut qu'il apprenne une certaine attaque. C'est pour ça qu'il évolue. Je crois. Je crois que c'est ça. Il évolue en apprenant l'attaque roulade et il doit monter de niveau. Ok. Là, la question c'est est-ce qu'il y a une roulade? Si c'est le cas. Je vais juste aller voir le monsieur qui change ses attaques.
Grincement, souplesse, méga fouet, Cognobidon. Bon, on va aller voir le monsieur pour ça. Il était... T'es pas à côté du petit gars qui te disait si tu les aimais ou pas, tes Pokémon? Je crois que oui. Peut-être que je divague aussi. C'est pas la première fois. Je pense qu'il te cite. Je crois que oui. C'est-tu un Pokécentre qui était ou... Non. Ou c'était lui? Non, c'était n'importe quel. Rappeler une capacité. Les cheveux. Je veux qu'il apprenne roulade. Ben, méga fouet, ça n'a aucun anastique de rapport. Ah, oh, avec sa langue, ok, ouais, je comprends. Ok. Il faut le faire monter de niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller faire un donjon. Un petit donjon. Il y a partout, les donjons. J'en avais un sous le bord de l'eau, j'aurais pu le faire tout de suite. Ah, voyons voir, il y a des lumières. On va par là-bas, moi je pense par là-bas. C'est fini là. Oh, j'étais... C'était quoi ça? C'est scorpion. Voyons, voyons. Voyons, voyons. Je vais la capturer. Bon, je vais essayer de le réduire un peu. On va en tête de fer. Je peux en faire un deuxième. Laisse faire, il va peut-être se tuer. Un, deux, trois, clic. Coup de langue. Vous avez tapé un coup de langue. Bon, mais les cheveux ont oublié le projet. Désolé. Les données de coup de langue ont été ajoutées au Pokédex. Coup de langue Pokémon lécheur, type normal. Sa langue a l'incroyable faculté de s'allonger et d'atteindre plusieurs fois la taille de son corps. Ce mystère de la nature reste ancien. Tu vois, j'aime mieux l'original Like Tongue que cette affaire-là. Mais il va devenir notre nouveau lécheur. Y a-t-il encore une queue? Quelque chose, mais... Oh, une petite queue. Une petite queue. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, on s'en va.
On va aller voir qu'est-ce qui nous attend au prochain épisode, parce qu'on va terminer l'épisode avec ça. On va mettre les cheveux dans le Pokédex ordinateur. On va aller voir le prochain Pokémon qu'on a besoin à faire évoluer. C'est Bulbasaur! Bulbasaur? Bulbizarre! Ok. J'ai un Bulbizarre. J'ai un Squirtle. Prochain épisode, on va commencer à faire évoluer notre Bulbizarre. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde, puis capiquez à tous, et à la prochaine!